de vous retrouver, madame, messieurs, pour ce nouveau journal de la rédaction en direct sur la télévision nationale congolaise. À toutes et à tous, bonjour. Nous ouvrons ce journal par les nouvelles du président de la République. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu hier l'ambassadeur de France en RDC, arrivé fin mandat. Également évoqué au cours de cette rencontre de Bruno Aubert et Félix Tshisekedi, l'incident d'un des diplomates français en poste à Kinshasa, victime d'un jugement inique. Retour en image avec Blandine Zouvo. La République démocratique du Congo et la France entretiennent d'excellentes relations bilatérales et de coopération depuis des décennies. Les rapports entre les deux pays sont résolument tournés vers le développement économique du fait que la RDC et la France sont liées par des accords de coopération autour d'une trentaine de projets en exécution. La visite du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Paris en est une parfaite illustration. Le diplomate français est venu faire ses adieux au chef de l'État car arrivé au terme de ses 3 années de mission en République démocratique du Congo. Occasion aussi pour Bruno Aubert d'évoquer le bilan positif des relations bilatérales franco-congolaises de ces 3 dernières années, malgré l'incident malheureux dont ont été victimes 2 diplomates français en poste à Kinshasa, incident lié à un conflit foncier qui a conduit à une intrusion dans une emprise française en violation des prescrits internationaux. Il était important pour moi de voir le président de la République, le chef de l'État, une circonstance un peu particulière pour moi, qui est la fin d'une mission de 3 années dans le pays, et donc c'était une manière de venir le dire au revoir. Nous avons traité de nombreux sujets. Le premier dont nous avons parlé, c'était effectivement le regrettable incident qui a affecté une de nos emprises diplomatiques pendant il y a 3 jours, vendredi dernier. Nous avons eu l'occasion d'en parler avec Madame la ministre d'État ce matin même. De cet acte regrettable et nous a assuré que toutes les mesures allaient être prises, certaines mesures ont déjà été prises pour que ce genre d'événement ne se reproduise pas. De son côté, la ministre des Affaires étrangères, qui, dans un communiqué, avait exprimé ses profonds regrets suite à cet incident malheureux, a souligné son engagement pour le respect des conventions diplomatiques. Mais ces incidents n'entachent en rien les relations bilatérales toujours au beau fixe entre les deux pays. Je pense en effet que c'était la préoccupation de toutes les parties impliquées dans cet incident, justement que les relations excellentes entre la République démocratique du Congo et la République française ne soient pas entachées par cet incident malheureux. Je pense que la République démocratique du Congo, à travers ses institutions et sa réaction rapide à cet incident, a démontré qu'elle tenait à ses excellentes relations, mais aussi que l'ambassadeur de la France, qui a été disposé à échanger avec nous dans des très, très brefs délais, a pu réaffirmer que c'était un souci mutuel et un souci partagé. Donc actuellement, les enquêtes sont en cours, justement pour avoir une meilleure compréhension de cet incident, de ses antécédents aussi, et pour permettre à la République démocratique du Congo de tirer toutes les conséquences nécessaires pour que ce genre d'incident ne se répète pas. L'incident a eu lieu le vendredi dernier. Les agents de l'ordre ayant participé à cette tentative de déguerpissement ont été interpellés. On reste à la présidence de la République, cette fois pour parler de l'audience que le chef de l'État a accordée à la délégation de l'International Socialiste, une plateforme mondiale qui regroupe les partis politiques d'obédience socialiste. La délégation a été conduite par Augustin Kabuya, vice-président de cette plateforme. Créée en 1951, l'Internationale socialiste est une organisation qui rassemble 132 partis socialistes ou sociaux-démocrates. L'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti au pouvoir, est membre de cette plateforme internationale et occupe, à travers son secrétariat général, le poste de vice-présidence. L'ancien premier ministre tchadien, Saleh Kedzabo, président du comité Afrique, qu'accompagnait la secrétaire générale, Madame Chantal Kambiwa, est porteur d'un message de la haute hiérarchie de l'Internationale socialiste au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au vu de la délégation qui m'accompagne, vous comprenez aisément de quoi il s'agit. J'ai à ma gauche Madame Chantal Kambiwa, qui est l'actuelle coordinatrice générale, en d'autres termes secrétaire générale de l'Internationale socialiste.
Et à ma droite, notre ami Auguste Kabuya, qui est un des vice-présidents de l'International socialiste. Et donc, il se joint à la délégation pour porter ce message que nous avions de la part du président de l'International socialiste, qui est l'actuel Premier ministre d'Espagne, qui nous a chargé de venir saluer le président Tshisekedi, lui présenter ses félicitations, parce qu'on n'a pas eu le temps, on n'a pas eu l'opportunité, on n'a pas pu s'organiser pour venir à l'investiture du président. Mais il n'est jamais trop tard pour le faire. Nous sommes venus lui présenter les félicitations de l'International socialiste et le soutien de notre mouvement, dont vous savez que l'UDPS fait partie depuis des dizaines d'années. C'est un des partis membres influents de l'International socialiste. Et donc, c'est cette mission que nous sommes venus essentiellement exécuter pour apporter le soutien de l'International socialiste au président Tshisekedi et à la République démocratique du Congo. L'International socialiste est le successeur de l'International ouvrière socialiste qui a regroupé la majeure partie des partis socialistes, sociaux-démocrates et travaillistes entre 1923 et 1946. Parmi les membres actuels de l'International socialiste, on trouve notamment le Parti socialiste français, le Congrès national africain en Afrique du Sud, le Parti social-démocrate d'Allemagne et l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti au pouvoir en République démocratique du Congo. La loi, c'est la loi, bien qu'elle soit dure, toutes les constructions anarchiques érigées les longs ou sur la voie ferrée doivent être démolies. Ainsi, on a décidé le gouvernement de la République lors de la 10e réunion du Conseil des ministres. On fait le point avec Peggy Mukunda. L'une des solutions pour mettre fin aux embouteillages monstres auxquels Kinshasa est confronté, c'est entre autres l'utilisation des transports en multimodal, en plus du suffisme routier. Les trains urbains, appelés de tous voeux par la population, nécessitent l'assainissement du réseau ferroviaire de la ville de Kinshasa. Mais voilà, les emprises de 20 mètres de part et d'autre de voies ferrées sont aujourd'hui envahies par les constructions anarchiques. Comment on peut construire sur les rails? Construire sur les rails, c'est un danger, c'est un risque. Cessez alors de construire sur les rails. Selon les normes, c'est défendu. Suis contente, question de la conscience. Comment tu peux construire sur les rails, que l'État puisse faire son travail? Déterminé à relancer les trains urbains, le gouvernement de la République, lors de sa 10e réunion du Conseil des ministres, présidé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris des mesures allant jusqu'à la démolition de ces constructions anarchiques. Mesures fort saluées par la population. La ville de Kinshasa a besoin de son tronçon routier et aussi ferroviaire. Vous voyez, les transports posent problème dans cette ville de Kinshasa. Il faut que la voie ferroviaire soit aussi dégagée pour que Kinshasa bénéficie de son tronçon ferroviaire. Alors, nous, quand on était encore plus jeunes, on faisait Matete, Kitambo, par train. Moi, j'ai ce souci-là de voir le train urbain faire le trafic comme c'était auparavant. Alors, je suis désolé pour ceux qui ont déjà dépensé leur argent, mais comme on dit, la loi est Dieu, mais c'est la loi. Quand ils avaient construit leur maison, ne savaient-ils pas que ça sera ainsi, que l'État puisse faire son travail et prendre ses responsabilités? L'opinion s'interroge sur la durabilité de ces mesures salutaires pour la fluidité du trafic. Autre chose, les commerçants sinistres de l'incendie du pavillon 5 du marché de la Liberté vont bénéficier de l'assistance du gouvernement central. Ils n'ont que 3 jours pour constituer les listes des bénéficiaires éligibles. C'est ce qui ressort de la rencontre de la première ministre hier avec une délégation des responsables du marché. On fait le point avec Jemima Mogo, Pompo Umba et Djokoukou. Comme elle l'avait planifié, le jardin de premier a ouvert ses portes aux compatriotes
dont les marchandises ont été calcinées par l'incendie au marché de la Liberté le week-end. Il s'agit d'une délégation désignée par l'ensemble des victimes. Nazali, chef des pavillons 5, là où il y a eu l'incendie des victimes. Plus de 450 personnes de bazar victimes, il y a des marchandises. Après des échanges, les victimes ont sollicité 3 jours à la Première ministre pour établir des listes des bénéficiaires éligibles à l'assistance du gouvernement et ne pas faire un travail à la va-vite au risque d'omettre certains. Et donc, vous avez un vendeur ou une victime dans le marché à la liberté, vous allez un peu calme, vous allez vraiment calme, et qui dépendait bien. Moi, il y a mon qui est vos angatés, à terre, il y a mon qui est vos angatés, eux, qu'on a la quenon, tous joie. Nous avons un peu de bazar, nous vu qu'ils rentrent pour les arts rapides, nous avons un peu de quoi avancer l'activité. Quand la maman, il y a un modèle, il y a ma voix, il y a passe, il y a un mimi, il y a un. Merci. En tout cas, quand on est un peu, on a senti que la vie est paix. On a la vie qui est. Oh, maman, elle a dit que c'est la vie qui est paix. Parce que déjà, on a passe, maman, elle a dit que c'est. À tout ni piso, à yoki peu qu'on l'abisso, à l'inabisso ensemble, dès lors que Pessimiso Penda, et c'est un ouana. Pour la Première ministre, ces victimes ont besoin d'un fonds de redémarrage et peuvent se formaliser pour bénéficier des crédits pour vite rentabiliser leurs affaires et souscrire à des polices d'assurance. Pour une prise en charge complète de la question, la chef du gouvernement a associé au-delà des membres de son gouvernement, dont le ministre délégué auprès du ministre de l'Urbanisme et Habitat, en charge de la politique de la ville Didier Tengetelito, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Lévi Mbouta, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, et le député national de la circonscription de la Tchangou, Ogi Kalonji. Comment améliorer la desserte en eau potable dans le Nord Kivu avec le nombre croissant des déplacés? Ce sujet a fait l'objet de la rencontre du ministre des Ressources hydrauliques, Teddy Luamba, avec le vice-gouverneur de cette province. Plus de détails avec Yvette Makuntima. Province sous état de siège et touchée par la sanglante guerre d'agression perpétrée par le Rwanda, le Nord qui vous présente une demande hyper croissante en eau potable. Cet échange entre les ministres des Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba Mouba, et le vice-gouverneur policier du Nord Kivu, Romy Ekuka Lipopo, a permis de faire le point sur la question « Comment améliorer substantiellement la desserte en eau potable pour non seulement la ville de Goma, mais aussi et surtout ses environs, qui accueillent plus de 5 millions de déplacés ?» La desserte en eau potable que nous avons aujourd'hui grâce à la régie des eaux ne suffit plus. Nous avons énormément de sites tout autour de la ville de Goma où nous ne parvenons pas à faire arriver l'eau. Nous avons estimé que nous sommes à un point où nous devons nous ouvrir à l'extérieur. Alors que nous nous sommes ouverts vers Mercicor, CICR et que nous avons tant soit peu essayé d'augmenter le volume d'eau que nous pouvons offrir à la population de Goma et aux déplacés, nous sommes rentrés un peu en petit souci avec la régie des eaux. C'est ainsi que nous sommes descendus à Kinshasa voir la régie des eaux, le ministère des Ressources hydrauliques et nous osons croire que la solution pointe à l'horizon. De son côté, le patron de l'énergie congolaise, Teddy Luamba Mouba, a exprimé sa volonté d'accompagner la province du Nord Kivu et relever ces défis majeurs dans une province qui a plus que besoin d'un élan de solidarité nationale. Dans un autre registre, le caucus des députés de la Tchopo a échangé avec le coordonnateur national intérimaire du PDDRCS sur la table des discussions, la situation sécuritaire dans cette partie du territoire national ainsi que l'organisation du dialogue intercommunautaire. Explication, Peggy Mukunda. L'équipe dirigeante du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS, composée du coordonnateur national ad intérim M. William Kapoukou-Boaboa, accompagné de la coordinatrice nationale adjointe chargée de l'administration et de finances, Mme Sylvie Kayomo-Bay, s'est dit prête et disponible à conjuguer des efforts pour que les dialogues intercommunautaires prennent place dans les prochains jours dans la province de la Tchopo.
Tchopo. Une annonce faite à l'issue d'une rencontre avec le caucus des députés de la Tchopo, conduit par l'honorable Justin Bendesana. Le sensibiliser sur la problématique sécuritaire au niveau de la province de la Tchopo, les conflits intercommunautaires, intracommunautaires et bien entendu les groupes armés. Nous saluons son oreille attentive. Nous apprécions également sa disponibilité à tout mettre en œuvre pour que nous puissions dans les jours à venir commencer par les préalables qui va déboucher finalement à ces dialogues qui est tant attendu au niveau de la province de la Tchopo. Les hôtes du programme ont été informés sur... Le premier pilier de notre stratégie dit que le PNDRCS est outillé pour la résolution des conflits et la cohésion sociale. Et cela prouve aussi le caractère de ce programme qui est un programme national. On ira partout où il y a des conflits pour que nous puissions amener la paix, qui est la vision du chef de l'État. Les deux parties sont déterminées à concrétiser ces dialogues intercommunautaires afin que règne la paix dans cette partie du pays. Aucun centimètre du site de la RTNC au Katanga n'a été spolié ou vendu. Le démenti a été fait par les directeurs des ressources humaines, Kaniki, lors de sa mission dans les Hauts Katanga. Images et commentaires. Aucune décision visant à vendre. En mission de travail dans la province du Haut-Katanga, la délégation de la direction générale de la radio-télévision nationale congolaise, conduite par le directeur des ressources humaines, Kaniki Wakaniki, a eu le lundi 26 août 2024 une importante réunion avec le personnel de la RTNC Haut-Katanga. Au cours des échanges axés sur le fonctionnement général de cet organe des médias publics de l'État, plusieurs questions ont été abordées afin que la RTNC Haut-Katanga remplisse de manière efficace sa mission régalienne, celle d'informer, d'éduquer et de divertir. Les préoccupations des uns et des autres ont porté sur le besoin d'améliorer davantage l'outil de production pour un rendement efficace. À cet effet, les agents et cadres de la RTNC Haut-Katanga ont dégagé les enjeux et les défis liés au progrès de l'entreprise, notamment la gestion du patrimoine immobilier. À ce propos, le DRH Kaniki s'est confié à la presse. En effet, il y avait des tracteurs DGT au sein de la station faisant état d'une prétendue vente, n'est-ce pas, d'une partie de la concession de la RTNC Haut-Katanga. Ce qui est une fausse information, parce que la direction générale n'a pris ni les conseils d'administration, moins encore la direction générale, il y a une idée de vendre une partie de la RTNC au Katanga, parce qu'il ne faut pas oublier que les biens de la RTNC sont des biens du domaine public de l'État. Donc ils sont hors commerce. Et donc on ne peut pas développer une telle thèse d'une vente. Mais cependant, je rappelle qu'au cours de la réunion paritaire tenue l'année dernière entre les bancs employés et les bancs syndicales, il avait été décidé de sécuriser nos sites. C'est toute l'étendue du territoire national, ce n'est pas seulement au Katanga, mais dans toutes les provinces. Pourquoi il faut ce qu'il fallait sécuriser? C'est parce que notre patrimoine immobilier a été spolié partout et qu'il fallait nécessairement les sécuriser en menant des démarches auprès des autorités compétentes pour que nous ayons des certificats d'enregistrement. Et donc, c'est cette démarche-là qui a été en train d'être menée par l'avocat qui avait été envoyé par la direction générale. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait un problème de communication. Et c'est comme ça que Madame le DG nous avait défaussé pour venir clarifier la situation. Donc, il n'y a pas une vente, mais seulement nous voulons avoir des certificats d'enregistrement pour tous nos sites. Parce que ils ont été spoliés et nous ne voulons plus qu'il y ait des spoliations. Dans sa mission, le directeur des ressources humaines s'est fait accompagner de l'assistant financier du directeur général, Elo Moninga, et de l'assistante des infoprogrammes du DGA, Bijou Bamenga. En mission d'itinérance dans les Haut-Katanga, la ministre des Affaires sociales, Aziza Mounana, a inauguré des forages à Kambove et des entrepôts à Likasi. La synthèse de toutes ces activités avec Edith Chala. Dans la province du Haut-Katanga, en territoire de Kambove, la ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a procédé à la remise des 28 forages aux communautés locales. Ces travaux ont été exécutés grâce au 0,3% des chiffres d'affaires de la société Comicas SAS. Une cérémonie qui réjouit les bénéficiaires.
à Likasi avec 0,3% de la société Dot Kaipeng, deux entrepôts d'une capacité de 4000 sacs de maïs à distribuer aux bénéficiaires et deux tracteurs ont été remis aux populations impactées par ces activités minières. La ministre Aziza Mounana est très satisfaite des résultats sur le terrain. Ils se sont basés sur le développement communautaire. Et là, j'ai vu l'impact. Je suis vraiment contente de ce que j'ai vu. C'est un départ. Maintenant, je ferai ma part pour puisse faire beaucoup plus que ce qu'ils ont fait. Donc, je vais les accompagner pour que la jeunesse de demain soit autonome. Surtout que nous avons un président de la République, Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo, qui prône d'abord la paix et qui croit à la détermination des Congolais pour faire avancer notre pays. La ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et solidarité nationale reviendra dans la région, a-t-elle promis, pour la livraison d'autres ouvrages au bénéfice des populations locales, ce qui est une véritable expression du peuple d'abord, vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Rendons-nous en Ituri pour parler de la première parade du commissaire provincial de la PNC après son retour de l'École nationale des hautes études stratégiques et de défense de Kinshasa. Des nouvelles dispositions pour la sécurisation de la ville sont attendues. Images et commentaires. Au son triomphal des fanfares de ses troupes, le commissaire divisionnaire Ngoyi Sengelwa Kiyo signe son retour avec force après avoir passé 10 mois de formation à Kinshasa au Collège des hautes études de défense et de stratégie. Lors de cette parade, le commissaire provincial de la police en Ituri a restitué quelques matières aux hommes en uniforme avant de les encourager de travailler davantage à l'esprit et à la lettre aux missions dévolues à la police. Avec ma reprise, donc, j'ai demandé leur accompagnement comme d'habitude, comme ils l'ont fait avec l'intérieur, le cadre et tout l'effectif de la police au niveau de la province de l'Ituri, pour qu'ensemble nous puissions remplir correctement nos missions. Juste après, le numéro 1 de la police en Ituri a visité le nouveau bâtiment du centre de coordination de la police, fruit du partenariat entre la police nationale congolaise et ses partenaires. Après un parcours brillant au collège de hautes études de stratégie et de défense, le commissaire divisionnaire Ngoyi Sengelwa Kiyo revient avec une vision renouvelée et des compétences renforcées. Envie de rehausser les niveaux de la police en Ituri et consolider les acquis de l'état de siège où celle-ci vient en appui aux forces armées dans l'imposition de la paix et la restauration de l'autorité de l'État. Sachez aussi qu'une série d'enquêtes sera bientôt menée sur les conditions de vie des ménages dans la province de la Choapa par les agents de l'Institut national de la statistique. Une journée de sensibilisation a été organisée à ce sujet. L'hôtel de la Choapa a servi le cadre de lancement officiel de la journée de sensibilisation des autorités locales de la Choapa. L'ego a été donné par le vice-gouverneur Albert Bokongo, qui a représenté le gouverneur en mission Armand Yombe. C'est grâce à ces enquêtes, les informations précises seront collectées sur les divers aspects de la vie de la population. Ces domaines permettront aussi aux autorités provinciales de bien cibler leurs interventions et garantir chaque concitoyen de la Choapa la vie dans de bonnes conditions. Prenons la parole pour la circonstance. Albert Bokongo a demandé aux autorités locales de bien accueillir les enquêteurs et de leur porter l'assistance en cas de besoin. Bienvenue sur l'envoi également à l'envoi de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province à Mayambi, Dogo, en mission de service pour sa vision éclairée vers Ituri. Au cours de ces assises, il sera particulièrement question d'analyser et évaluer la propriété multidimensionnelle au niveau national et provincial, son évolution depuis 2012 à ce jour, en vue d'évaluer les effets des politiques publiques pendant la dernière décennie. Organisé par l'Institut national de statistique, au total, 36 enquêteurs ont été formés pendant 25 jours à Boindé, afin d'être déployés dans les différents territoires qui comptent la province de la Choapa.
Le député national Simon Moulamba Mputu a communié avec sa base de Tshikapa et a prêché l'unité et la cohabitation pacifique entre les communautés. Isidore Nkaya, reportage. En vacances parlementaires, le député national Simon Moulamba Mputu a été accueilli par une foule immense à Tshikapa, sa base naturelle. La caravane Aliès est partie de Kachungu à Dibumba, en passant par les grandes artères de la ville de Tshikapa, pour chiter à l'espace Kassai Horizon, plein à craquer. Dans son adresse, Simon Moulamba Mputu a remercié ses électeurs pour lui avoir renouvelé la confiance et a invité les Kassaïens et Kassaïennes à l'unité et à la cohabitation pacifique, en soutenant les présidents de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui parraine la construction de la route Tshikapa-Kamako et la modernisation de l'aéroport national de Tshikapa, dont les travaux seront bientôt lancés. Président national du parti politique CODEP, Simon Moulamba, dit Nzambi wa Kassai, a dressé un bilan largement positif des dernières élections avec 9 députés nationaux élus, un gouverneur et un vice-gouverneur. L'ambiance était celle du grand jour de fête jusqu'au tard dans la soirée. Signalons que l'honorable Simon Moulamba Mputu sera dans chaque secteur de sa circonscription électorale Tshikapa Territoire pour recevoir les desiderata de la population. On reste en province pour vous dire que Lambert Mende Omalanga, élu du Sankourou, est arrivé à Lodja dans le cadre de ses vacances parlementaires. Les images de son accueil à travers ses commentaires de Cédric Kenina. Sur le tarmac, un comité restreint pour accueillir les meilleurs élus de Lodja, Lambert Mende Omalanga. La procession a hypnotisé les rues de Lodja en effervescence. Cette figure emblématique de la politique congolaise a fait une entrée sensationnelle dans son fief électoral, dans le cadre de ses vacances parlementaires. Il s'agit ici d'une forte mobilisation populaire des responsables provinciaux de la Convention des Congolais Unis CCU, ainsi que des chefs coutumiers locaux. Les parcours conduisant de l'aéroport au célèbre stade municipal PNR, au quartier Lokenien, a été envahi par des dizaines de milliers de personnes, brandissant des banderoles et chantant des slogans de soutien à leur élu et au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Dans son discours prononcé au stade PNR, l'honorable Mende a insisté sur l'importance de l'unité nationale autour du chef de l'État. C'est un devoir qui nous est fait d'entrer en connexion avec nos bases respectives, nos populations respectives, prendre la température, voir ce qui ne va pas, voir ce qui va bien, pour remonter vers le gouvernement central et faire en sorte que nous puissions consolider ce qui va et retirer ce qui ne va pas. La présence du député national Lambert Mende Omalanga à Lodja ne fait pas seulement écho à ses obligations parlementaires, mais s'inscrit également dans une dynamique de renforcement des liens avec les citoyens, tout en consolidant la position de la CCU, parti souverainiste et lumumbiste. La preuve de cette unité, c'est son adhésion à la gouvernance du nouveau chef de l'exécutif provincial, Victor Kitenge, et qui est, selon lui, porteuse d'espoir. D'une province à l'autre, à l'Équateur, l'on nous signale la cérémonie des remises des toges, dont du Conseil supérieur de la magistrature aux magistrats de sept territoires de cette province nouvellement nommés et affectés. Regardez. Ils étaient 9 magistrats sur 35 au total qui ont reçu de main du procureur général près la cour d'appel de l'Équateur, Jean Kabongo Kamai, les 35 toges, dont du Conseil supérieur de la magistrature aux magistrats nommés en 2023. Les heureux bénéficiaires se sont dit satisfaits du geste déposé en leur personne. Nos impressions sont bonnes. Nous voudrions tout simplement remercier le Conseil supérieur de la magistrature pour nous avoir doté des toges qui vont nous permettre d'exercer notre profession. Les 9 magistrats présents lors de la même cérémonie de ce vendredi ont tous apposé leur signature sur un document, l'air tendu
par le PG pour acquiser réception. Pendant ces temps, les autres magistrats bénéficiaires, c'est les territoires de Bolomba, de Bikoro, d'Ingende, de Lukolela, de Bomongo et de Makenza, absents lors de la brève cérémonie d'hier vendredi 23 août 2024 et recevront l'air auprès du procureur près les tribunaux de paix. Ces taux, je sont envoyés par le conseil supérieur de la magistrature pour tous les magistrats du ministère public du ressort de la cour d'appel de l'Équateur. Congo.net, ambiance de désolation le lundi matin du 26 août 2024 au parking de Louza à Montbélé, quartier Coupe-Gorge de Limité. Pleurs et grincements suite à un appel depuis une bourgade du Congo central. Il est demandé aux propriétaires des camions de transport des marchandises de venir identifier les corps de leurs proches victimes d'une attaque nocturne des coupeurs de route identifiés comme des Mobondo. Les criminels ont commencé par trouer des pneus des camions avant de se livrer à une sauvage tuerie à l'arme blanche. Un trafiquant de coltan arrêté au Nord Kivu révèle vraie thématique. 350 kg de coltan repartis dans 7 colis de 50 kg ont été saisis par les services de renseignement dans le quartier de Katoï, dans la commune de Karisimbi, dans la ville de Goma. Ce minerai en provenance de la zone sous contrôle du M23 RDF avait le Rwanda comme destination, ce qui prouve à coup sûr la collusion entre le M23 RDF avec le pays de Kagame. RDC, début de l'opération de reprise des espaces ferroviaires spoliés, note Instant News. Selon le journal, le vice-premier ministre en charge des transports, Jean-Pierre Bemba, a déposé vendredi 23 août au Conseil des ministres deux dossiers relatifs à la reprise complète de tous les espaces du domaine ferroviaire spolié et sécurisation définitive de ces espaces sur toute l'étendue du territoire national. Les emprises des aéroports de Kinshasa, de Lubumbashi, Luano, de Mbujimayi, Bipemba, de Kananga et de Kolwezi sont aussi concernés par des cas de spoliation. Les réseaux mafieux prêts à fusiller Cachal, rapporte Ouragan.cd. En croire le confrère, la météo politique n'est pas favorable aux acteurs qui mènent des réformes courageuses et s'affairent à déraciner les réseaux mafieux. Les informations recoupées attestent que Miguel Cachal Katemp, l'entrepreneur directeur général de l'ARSP, subira dans les prochains jours la fureur de ceux qui pensent bloquer la dynamique qu'il imprime à la tête de son établissement public. Les assassins politiques tapis dans l'ombre se préparent à le lyncher dans l'opinion. L'alerte est donc donnée, précise Ouragan.cd. Ainsi se referme cette édition des 13h30 sur la RTNC. Nous disons merci aux différentes équipes de la régie pour leur soutien technique. Merci à vous de la fidélité et confiance à la télévision nationale congolaise. L'information revient à 19h et ce sera avec Yvette Mapoutim à la présentation. D'ici là, portez-vous bien et surtout, prenez soin de vous car chaque jour est une vie.